好好好

အအျကကအက teပကကkuကကမက la ù teà။ gwite papmob ti ulemp mëntui anchini bachintinja banchibi ki ti ulemp pija bujuku bandolabi bukapnani bul ti internet di youtube youtube nja dikajakari lang manjaku nchiwi plent manjaku achinji kalo nichinda. katiminji per nasaju prelbi abatëb biki jaklemp biki achi nul karona baya kakëmank ni kasarni o kasarna da juk ume a ah, ntari jaka mob ti bujuk bi kanjaka bi wal takël Nguwimbi njokubi minti bii ti budyokuba wala bii ngin tadja ngwaant nikoas oo ngin tadja ngwaant niboasanta anga je ba nyaka niri njati wal taakal nga ka koyoka nyakoi irimi tënkini irimi tënkini maa ti walu taakal obi tual wala wal taakal irimi tënkini yaa ci itam nguwimba lɔɔle. kprpiacipripeki apuja pubi gwimpul ajakuba anguruyari bujuk baulbi g tajangwant ni kwas ni blon angrorul ko kajakawi karoko karoko kanyenato antari jaka bandi bikin ajakwin bujuku bawulobi getajage baker mobi ti wàll taakalu munti yi a ti un ring teŋkini ti tabante wòl ka on picha ti ti tabante ti nguulu nga tab oo ti kuulu ka tab ring a ti ka tab ring mpi cakka pii a ti tabante mpi njɛkka wi mpi ntare ti pumpi a ti do oo bala o ŋka jà pro. umdi jak lentrum jak nyakani run ci wal takal ti plein ci jaman ni ne prime peut ne pipi kan jakka pink pour do o pro u ci on ko kan ja pi ja a jak boflum pour ci u nyaka ndar man jakku yankre jakatenti ilongin diamant ti plein ci

ba waa jɛnton. kitabukul bɛ do ja tit bokul bi kitabukun. maa ti nyakka naa lekkabukul. am njaa bɛ do ja yonkere ngɔ en doon te pɛndee ama tuluwun a ma ɔbɛti pɛndo. o ci do do man do nja mdo ja ado ja nga do ja wanda do ja. Nda dɔɔ djaa, mbɛ dɔɔ djaa. Kyɛ wòle wɔlutipa ndia amutululundi. Yakapa ara ro ndia amutulubokk. Ubokk, bukaja, mandoja, mandoja, mandoja. ndoja, ubaniti nyaana waayi ntinu bukaja aroja, aroja. Ukawotam, mbɛdja dɔ, do, do. Bukaja aro ja. uchumar banya buka Ngeroja. Wendaroja. Ndaroja. Buroja. ja ndaro ja buka ti bu buro chun ti ubok ti ko do do ti

utam ci gwinwi nge ja pe do o balongkaja pero ma wutam de tenenujankalwi yiri mi jankalwi tam na cak manjoja manjoja jo manjoja njoja ajoja nge joja unda Georgia. nda joja Georgia, bujooja Georgia. yaka witara manjooja aci nji nji Man Georgia. wi njoja nul a Georgia. nja ngi Georgia. und unda jooja ind da joja bekel bu jo ja yenkiri jorimen ki jame a ponne ti prim puamti ti jaku ne prim pejoo pejoo cite prim ti man ko wole kon joro aruka ja jon krin cete purimti mati pe do aci prim man

Prèm ti wàllu taakal okay. n tuuti wàllu taakal okay. a para jɔn ti o nuu mɛnti a ngi ka iremi tɛnkani okay. a ti tabe pɛbili ni pɛ dɔ ɔ pɛ rɔn fɛn fɛn bu jɔɔrun tɛte prèm ti ma nyaku ma yɔnkiri utaam kyi nyaaka ndoŋ dɔnke kunda yakanati mbaa ka wita ka lɛɛte. Chers apprenants, nous voici de retour pour continuer notre, notre instruction, notre enseignement et notre apprentissage de la langue mandjaku à l'écrit. C'est moi-même votre serviteur. Je réponds donc au nom de Père Nassadio Prolebi, accompagné de nos deux caméramens et techniciens. Donc, euh, tous les deux, ils répondent chacun au nom de Karona Baya Kakemank et Kasarna Dadjuk Oumé. Rien que son nom nous interpelle. Ça nous donne un challenge, un défi pour que nous aussi nous apprenions à connaître. Et voilà. Aujourd'hui, nous allons euh, continuer la leçon sur le temps passé que nous avons commencé depuis la leçon 38 bujok guntadjanguat niquas et nous avions vu que pour conjuguer les verbes au temps passé le passé lointain en mandjaku nous avons besoin des auxiliaires les auxiliaires qui se disent donc en langue mandjaku irim itankne qui veut dire les paroles d'aide les paroles par lesquelles aider à conjuguer les verbes au passé, euh, au passé, donc passé lointain. Eh bien, pour ces auxiliaires, il y en a deux. Le premier, on l'a vu dans cette leçon 38, et c'est l'auxiliaire PEBI. PEBI qui signifie venir. Et nous avons, lors de cette leçon-là, conjugué le verbe PEJA qui signifie dire, ou en anglais to say ». Et ensuite, à la leçon suivante, la leçon 39, nous avons fait un exercice. Donc on appelait ça Karoko Kanyanatun. Ou Karoko Kanyan. C'est-à-dire l'exercice 5 ou le cinquième exercice. Et voilà. Et c'était un exercice en rapport avec ce qu'on a vu à la leçon 38. Aujourd'hui, c'est la leçon 40. 40. Wal-takal, et c'est la deuxième partie, euh, ou le deuxième auxiliaire sur deux. Et ce deuxième auxiliaire, c'est celui-ci, donc d'autres le prononcent pro. Et alors, pour ce faire, nous voyons que pour, donc, la conjugaison du passé lointain en langue manjaku, pour l'auxiliaire pudo dans la langue manjaku, nous allons Prendre ici un exemple, un exemple de dialecte. Le dialecte Ulund, le dialecte Ubok et le dialecte Utam. Le dialecte Ulund. Première personne du singulier, deuxième du singulier, troisième du singulier, ainsi de suite. Première personne. Mando Ndja. Mando nja. C'est pour do. La racine. Mando nja. Mdo Mdoja. Mdoja. Même si certains vont dire m'donja, mais ce n'est pas bon. En, 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 en dialecte olound, en dialecte on ne dit pas mdonja. On dit mdoja. C'est ici qu'on dit ici Mdonja. Mdoja adoja Do. Par le O, la lettre O en dialecte oulun, c'est O. Ce pas « o », c'est « o ». Pluriel. Ndodo-dja. ja, dja Ndado-dja. bodo ja. Et voilà, on a fini dans ce dialecte de conjuguer. Donc, le temps passé, en utilisant le deuxième auxiliaire, ou le, ouais, le deuxième, celui de « poudon », voilà. Le dialecte oubok. Ndia ubok, ubok. mandoja. mando Mandoja. mando 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 Et là, ndo Et notez bien. Après les deux, maintenant c'est a ro -dja. a -ro -dja. On va au pluriel. Nga roja, wund a roja, nda -ro bu -ro bu -ro Et voilà, ce qu'on note ici, comme je l'ai dit tantôt, ils utilisent bien Pdo ici, et après, la première personne du singulier et la deuxième personne du singulier, ils sont ici maintenant. Avec pro. Il dit arrangia. Et ainsi suit de suite jusqu'à la fin. Maintenant, le dialecte UTAM. UTAM, vous vous rappelez, c'est le village de bassera Baramb, Bajob, Betenta et KATIG. Ça fait cinq. C'est cinq villages par le dialecte Utam. Et voilà comment ils vont conjuguer le passé lointain en utilisant le deuxième auxiliaire pour do, pour Mais en fin de compte, ils ne l'utilisent pas. Ils disent quelque chose dont on ne sait pas d'où ça sort. Écoutez, ils disent manjoja. 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 Njoja a Georgia et ensuite le pluriel ou unde unde a Georgia unda Georgia nda Georgia c'est comme si le verbe qu'ils ont utilisé c'est oh ce verbe n'existe pas en langue mandjaku dans tout le vocabulaire manjaku, il n'y a pas un verbe, peu Mais euh, voilà, dans le parler des, des locuteurs du dialecte ou ils ont inventé euh, quelque chose là, euh, on ne sait pas d'où ça sort, et ils parlent comme ça. Et on va même au-delà des cinq villages que j'ai nommés. Quand vous allez chez les manjaku de Caillou, vous allez aussi entendre mandjodia. Non? Hmm? Njoja. Djo. 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 C'est pas manjo. C'est pas manjoja. C'est manjoja. Ndjoja. Ndjoja. Ngjoja. Ndjoja. 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 Et maintenant, on finit. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand on prend manjoja, ou oh bien Mandodja, oh, man -ja, ça veut dire j'avais dit. J'avais dit. Parfois, il a le sens de j'avais déjà dit. Mais il y a une expression beaucoup plus spécifique pour dire j'avais déjà dit. On peut dire Mandodja ba. Mandodja ba. Ça veut dire j'avais déjà dit. Le ba à la fin montre c'est déjà. Mais. Le déjà à, euh, est sous-entendu aussi, aussi parfois. Le pluriel, ngdodja, ou bien wendadodja, ça signifie nous avions dit. Et c'est ça, ngroja, wendadodja, nous avions dit. Ngdodja, wendadodja, nous avions dit. Et là, c'est fini. La conjugaison. Euh, Manjaku pour le temps du passé, le passé lointain. On a vu les deux auxiliaires. Euh, après on passera prochainement la leçon sur un exercice sur cette leçon concernant le deuxième auxiliaire pour le passé lointain et puis à plus tard on attaquera le futur lointain. On verra aussi combien d'auxiliaires euh, y a-t-il? Pour le futur lointain. Peut-être là, vous avez déjà une idée. Depuis qu'on a commencé. Et, en général, c'est combien qui vient à la fois, hein, qui vient comme binôme, ou c'est pas trinôme, si ça se dit, ou quatuornôme, je ne sais pas. Alors, mais on verra ça. Voilà, merci beaucoup pour euh, ceux qui ont suivi cette leçon, ceux et celles qui l'ont suivi. Et nous vous encourageons à tenir et à aller jusqu'au bout, euh, jusqu'au bout, le chemin et vraiment un chemin d'apprentissage, d'instruction, parce que sans instruction, nous périssons, nous sommes balayés et nous n'existons plus. Voilà, mais pour exister, il faut combattre, il faut tenir ferme et cela est possible. Nous avons tous les ingrédients qu'il faut, tous les éléments qu'il faut pour être bien instruit dans notre langue elle le parler et l'écrire, et l'écrire et le parler. Une fois de plus, nous vous remercions. N'oubliez pas. De vous inscrire pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et aussi de cliquer la note de, la, 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 cloche de notification pour que, à chaque nouvelle vidéo, vous en soyez notifié. Et puis aussi, euh, le pouce tourné vers le haut, qu'on appelle à manjaku, pour qu'on y pour le doigt mâle, le doigt homme, qui est donc tourné vers le haut, cliquez-le. Cliquez-le pour montrer que vous aimez la leçon et que vous aimez le cours entier qu'on est en train de faire pour le bien de notre peuple, Kander Mandiako, le peuple Mandiaku. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Père Nassadio Prelbi accompagné bien sûr de nos deux techniciens et caméramen, Karona Bayaka Kemank et Kasarna Dadiok Oumé. Baramak, merci beaucoup. Thank you very much.

Ketora akyonde mana kakawe akyonde mana kafak akyonde mana kawe akyonde mana